Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça doit faire à peu près 6 mois, voire un an, que j'ai pas fait de vidéo un peu montée, un petit peu différente des simples débriefs. Donc j'ai décidé de le faire puisqu'on est en période de mercato et que le mercato, c'est, je crois, ce qui nous intéresse le plus à la mi-saison. Et comme nous sommes en période de transfert, eh bien on va parler d'un transfert qui nous intéresse tous, c'est celui de Benjamin Mendy, donc le défenseur de Manchester qui souffre de manque de temps de jeu depuis le début de l'année, serait apparemment transféré immédiatement à Liverpool, un transfert qui nous étonne, d'autant plus que Liverpool est une équipe de prison du haut de tableau, hein. C'est vraiment là où on retrouve les Charles Manson, etc. Et donc le défenseur de Manchester serait du coup dans un nouveau challenge, hein, celui de passer d'un simple prisonnier à celui d'un prisonnier de haute sécurité. Donc deux clubs français sont également sur le dossier. Il y a le FC La Santé de Paris et il y a également l'Olympique des Baumettes à Marseille qui se sont tous les deux proposés pour accueillir le détenu. Donc chacun a évidemment des différences. À Marseille, par exemple, ils proposent une option 3 douches par semaine au lieu de 2. À Paris, au Paris La Santé, là, c'est légèrement différent puisqu'on propose carrément 10 mètres carrés, soit légèrement plus que Nicolas Sarkozy. Donc, on ne sait pas encore. À Liverpool, en tout cas, il retrouvera le haut du tableau. Il retrouvera l'élite de la prison et des prisonniers anglais. Donc, évidemment, les nouvelles accusations qui portent sur lui, sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir, vont forcément influencer la décision finale, hein, puisqu'on ne peut pas accueillir un joueur de ce calibre-là, un prisonnier de ce calibre-là, quand même, sept personnes qui portent plainte pour les mêmes faits, dans un club, je dirais, de moyenne zone comme celui de l'Olympique des Baumettes, hein, qui s'est contenté de petits trafiquants et de petits dealers, tandis que le Paris La Santé, lui, accueillit déjà du lourd dans le passé, mais a du mal à avoir une grosse notoriété à notre époque. Donc, reste à voir vers qui il sera transféré. Je pense honnêtement que le transfert à Liverpool serait le meilleur. Après, d'autres parlent d'un transfert en MLS, donc dans les prisons fédérales américaines. Ça, je pense pas honnêtement, parce que je sais qu'ils ont un certain nombre, ils ont un quota en fait à respecter de détenus non américains, et ils en ont déjà quelques-uns. Donc, je pense pas qu'un transfert en prison américaine de MLS se ferait. Donc, voilà. Reste au joueur de faire ses preuves, de demander ce qui sera le mieux pour lui, et puis on lui souhaite une bonne incarcération, et puis on espère pourquoi pas dans 10 ou 15 ans le revoir eh bien, sur les terrains de la promenade. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!